Vraiment, le pays, il est trop, trop doux. Pa, 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 pa. Non, c'est fort. Vraiment, c'est fort. Hein. Non. 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 Waouh. C'est incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Ah, peuple de Guinée. Vous êtes là ou pas? Vous venez vous partager le live. Vous venez vous partager le live. Aussi simple que ça. Bah, waouh. Vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas. Comme vous avez vu sur le titre, les nouveaux ministres du régime Bobo Diouf, dirigé par Salif Tonton Brahma Jordan, vont bientôt être débarqués des. Ah, vont bientôt être débarqués. Parmi ces nouveaux ministres-là, certains vont être débarqués bientôt des. Vous avez vu? Ah, aujourd'hui, en tout cas, la majorité ont fait passation. Si je ne m'abuse pas de dire tout. Non. Non, vraiment, le pays là est trop doux. Peuple de Guinée, ça fait pitié. Ça fait mal. Parce que ce que je vais venir vous dire ici, mes yeux là, on m'a envoyé, j'ai vu de mes deux yeux là. Mais moi, je suis musulman. Le Ramadan, là, je cherche la repentir. C'est-à-dire, je cherche que Dieu me pardonne mes péchés de l'année dernière. Combat politique, là. Billahi, wallahi, tallahi. On va vous battre à la loyale. Tais-toi. Gouvernement Bobo Diouf. Si ce n'est de dire que gouvernement Laoungoué. Non, c'est faux. C'est faux. Ah oui. Comme la manière dont on m'a fait voir les vidéos là. Comme on m'a fait voir la manière dont on m'a fait voir les vidéos là. Si moi j'ai déjà vu, il faut vous dire que ah, ça va sortir des. Ça va sortir des. Ça va sortir des. Et ça, les nouveaux ministres sont dedans. Et comme les nouveaux ministres sont dedans, on a vu ici, non? Affaire Charles White. Sinon, si c'est par compétence, travail, tout le monde sait que Charles White, il est calé. Il a un bagage intellectuel depuis au temps d'Alpha Condé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils n'ont pas reconduit Charles K. Maintenant, les propriétaires de la Guinée sont à pied d'œuvre. Non, mais c'est fort. Maintenant, je vais dire chaque détail ici. L'un, bon, l'un, il a fait passation. Il a fait passation aujourd'hui. Il est tellement content de son poste. Il est tellement, tellement content de son poste. Maintenant, la petite qui est enceinte de toi là, la petite qui est enceinte de toi là, dont tu as envoyé en France là, avec sa cousine là, qui sont passées par Tunisie là, la petite Khadija là, celle de Dixine là. Donc déjà, tu connais. Et comme tu connais là, ça, c'est sur la table. Monsieur le tourneur dans salle de cinéma là, ceux qui ont petit endroit chez eux là, qu'aux salles de cinéma là.
vous êtes tombé dedans. Ceux qui ont des maisons là, sortis pour aller dire là, pas des hôtels, ils ne font pas ça dans l'hôtel. Ils ne font pas ça dans l'hôtel. Non, non, ils ne partent pas dans l'hôtel. Chacun parmi eux a des maisons bien aménagées, bien chic, 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 là, top, top, là. Quelque part où ils vont aller faire ces conneries-là. Ah, mais je me demande, les gens qui filment ça, comment ils font? Les filles qui filment ça, comment elles font, quoi? Ah! Les filles qui font ça, comment elles font? Mais je vous dis, il y a une parmi ça, là. Quand ça va sortir, on va fermer toute la Guinée. Il y a une là qui s'est passée à Forêt-Caïa. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un d'autre. Qui s'est passé à Forêt-Caïa avant transition là. Là-bas c'est fort. Non, là-bas c'est trop fort. Non, le pays là ne va jamais cesser de nous surprendre, quoi. Vraiment, la Guinée-Conakry. Non. Le pays là ne va jamais cesser de nous surprendre. Hein? C'est incroyable, mais vrai. Ah! Mais là, l'autre là, quand ça va sortir, on va dissoudre tout le gouvernement, le pouvoir même. Non, ça fait pas rire. Hein. Il faut pas vous amuser avec ces conneries-là. On est assis tranquillement comme ça. Hein? Des gens contactent anonymement. Oui. Là, maintenant, là, je fais live. Hein? Il y a une nouvelle appli, là, qui est sortie. Et nouvelle appli, là, comment on appelle? Tri. Je pense que c'est Tri, hein, le nom, c'est Tri. Vous pouvez la télécharger. C'est une nouvelle appli. C'est-à-dire, quand vous vous inscrivez sur cette appli-là, votre numéro ne va jamais être enregistré. Votre numéro ne va jamais être enregistré. Maintenant, c'est un identifiant qu'on va vous donner. L'identifiant, là, c'est des différents chiffres, là. Et les personnes sont intraçables. Les personnes sont intraçables. Donc, comme moi, voilà, on est un peu dans les antiques. J'ai presque toutes ces applications-là qui sont dans les sécurités haut niveau-là, top-top-là. Donc, bim, 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 personne ne dit, salut, ça va? Je vais t'envoyer quelque chose, vidéo. J'ai dit quoi? J'ai dit envoie. L'autre aussi m'écrit, tant, je vais t'envoyer une vidéo. J'ai dit, ah, j'ai dit, hé, je vois, supprime. Ah, c'est quoi ça? Waouh! Waouh, il faut arrêter ça. Hein. Voilà, ça fait rire parce que pourquoi? C'est dommage de voir des personnes responsables qui s'adonnent à des trucs comme ça. Parce que au final, ça nous rattrape toujours. Ça rattrape toujours. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est très, très dommage. Donc, peuple de Guinée, je venais parler... Sur quoi ce soir? Je venais parler, voilà, de tout ce qui est en place pour faire durer la transition. Mais là, si c'est pour ça, là, ne vous inquiétez pas. Hein. Hein? On va même plus se fatiguer trop, là. Parce que là où on n'a pas laissé un Charles Wright, là, hein? Ceux qui sont dans les trucs, là, quand ça sort, c'est mort. C'est mort, là. Billahi wallahi ta'ala, c'est mort. Waouh! C'est incroyable. Hein? Donc, peuple de Guinée,
Aujourd'hui, on est le combien? Le 14 mars 2024. Je vous ai dit non. Notez bien. Quand ça va faire boum là, je ne suis pas dedans de... Je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Je viens alerter parce que j'aime mon pays. J'aime les cadres de mon pays. Je ne veux pas qu'une personne soit humiliée ici. Jamais de la vie. Mais, les seuls et uniques responsables, c'est ceux-là qui sont partis s'adonner à ça. C'est ceux-là qui sont partis s'adonner à ça. Donc, et ils disent, ou ils disent, on attend seulement que le ramadan... on attend seulement que le ramadan passe. Et, gars, les gens ont dit ça. Moi, je n'y croyais pas, go. J'y croyais pas. J'ai une personne proche de moi qui m'avait dit que il a juré sur le Coran. Il dit, King, j'ai vu... Ok, on est le 15 mars, merci. Il m'a dit, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, tu peux jurer? Il dit, oui, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai dit, si toi tu as vu là, toi qui n'as pas, voilà, tu n'es pas dans les confidentialités trop là. Ça veut dire que, ah, moi je vais voir tôt ou tard. Et bim! L'homme voit ça. Waouh! C'est incroyable. C'est incroyable, hein? Ah. Waouh! C'est pas drôle, hein? C'est pas se moquer, hein? Mais c'est vraiment incroyable. The six step à gogo. Ça là, ça va faire que les maris, vous les cadres là, vous allez rester fidèles à vos femmes. Hey, tais-toi. Ça va faire que vous allez rester fidèles à vos femmes. Toutes ces histoires là, ça va faire que vous allez rester fidèles à vos femmes. Parce que tant que tu vas voir ta nudité dehors, ah, tu ne vas plus oser même appeler une fille. Tu ne vas plus même, quand tu vois une fille, quelle que soit sa beauté, quand tu vois une fille là, quelle que soit sa beauté, tu vas fuir. Tu ne vas pas envoyer le petit pour aller la draguer, la dire de partir dans telle maison, dans tel temps, tel temps. Parce qu'actuellement là, il y a tout type de caméras partout. Pour Charles White, c'est petit. Hein? Pour Charles White. Non. Il y a un tonton là-bas. Il dit... Enfant des gens. Hein? Je ne veux pas répéter les mots là. Je suis à Ramadan. Bilal, je ne veux pas répéter ça. Wallah, je ne veux pas répéter les mots là, je suis en Ramadan. Ah! Hein? Non, c'est fort. C'est vraiment fort. Ah, hein? C'est vraiment, vraiment fort. Non. L'être humain peut avoir double face comme ça. L'être humain peut avoir double face comme ça. Non. Écoute, bah, dis tout là, bah, belle fille. Gars, l'être humain peut avoir double face. Moi, j'ai pas ça, j'ai rien. J'ai dit et redit les nouvelles applis là. Three. L'appli, c'est Three. C'est dans mon téléphone ici. Je vous montre le logo. Hein? L'appli là. Trima plutôt. Je fais capture. C'est les applis là. Voilà. C'est ça. Prima. Je ne sais pas si vous voyez. C'est une appli très très solide. Prima. La personne m'a contacté sur ça. Deux personnes. Il me dit, salut, ça va? C'est pas fini, hein? Je veux t'envoyer quelque chose. J'ai dit quoi? Vidéo.
J'ai dit envoie. Je vois ça. Non, mais c'est incroyable, quoi. Waouh! Waouh! Bam, bam, bam. Je n'ai pas de mots. Hein. Ça m'a coupé tout ce que je devais venir dire ici. Ça m'a coupé, ça m'a coupé. Ça m'a coupé. Hein? Dia, l'être humain peut avoir double, double face comme ça. Hein? Quand c'est mon étalon. Quand c'est mon étalon. Quand c'est mon étalon. Hein? Quand c'est mon étalon. Non, c'est fort. Ah ouais. Yandi, que Dieu sauve notre pays, hein? Ah ouais. Tout le monde fait péché. Tout le monde commet péché. Tout le monde. On est tous des pécheurs. Comment quelque chose va être trop doux pour toi là, trop trop doux pour toi là, jusqu'à à point que tu n'arrives pas à faire attention, ou jusqu'à point tu laisses qu'on te filme pendant que tu sais que tu es responsable. Ou comment tu peux être tellement dans l'envie, quel que soit dans les effets, quel que soit la drogue, l'alcool, jusqu'à ce que tu perds le contrôle pour dire que, ah bon, il faut que je tape là, là, là. Tu passes vite là, sans penser que oui, ça peut avoir des conséquences néfastes plus tard. Pourquoi vous le faites? Juste pour passer à ces bêtises de merde. Hein? Je vous le jure, sur mes 5 prières, sur mon ramadan, Wallahi billahi ta'alaï. Je ne connais, bon, je ne vais même pas jurer. Je ne connais absolument pas ces personnes-là. Mais si ces personnes viennent me faire voir ça, c'est parce qu'ils vont les faire sortir. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Ils vont les faire sortir. C'est pourquoi j'avance devant pour informer, pour que vous soyez informés, que hey, ça va sortir. Et les nouveaux, beaucoup sont dedans. Pour faire carrière, là, on va couper Internet. Si ça sort, la RPT va sauter. Avec ton salle de cinéma. Ton salle de cinéma. Hein? Avec tous ces fanfaronnions là. Hein? Yeah, c'est ça. Yeah, c'est ça, en coulisses. Yeah, c'est ça. Hein? Yeah, c'est ça. Non, c'est incroyable, mais vrai. Donc, peuple de Guinée, on va se dire à demain. Et tout à l'heure, là en bas, j'ai posté une vidéo très, très importante. Allez-y, regardez la vidéo. C'est des audios. Écoutez ces audios-là. C'est vraiment important. Ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup vous aider, vous aussi. Merci, on se retrouve à très vite, Inch'Allah. Que Dieu sauve la Guinée. Sinon, ça ne va pas. Que Dieu sauve la Guinée. Que toute personne, je dis bien, peut-être qu'il me regarde ou elle me regarde. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, je ne vais pas vous supplier. Mais... Tonton salle de cinéma, tonton Forecaria, tonton Dixine, tonton belle villa là, tonton bel studio là. Ah, c'est fordé, c'est fordé.